Bon matin à toutes et tous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour entamer une nouvelle semaine. Nous sommes lundi 21 octobre 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un joli week-end. On continue chemin de soi, on terminera par Ho'oponopono, mais avant de commencer, la petite pensée positive pour ce 21 octobre. Une chose après l'autre. Cessons de faire plusieurs choses à la fois. Dans nos sociétés fondées sur la conquête, eh bien la vitesse et la réussite, tout nous pousse à accumuler les occupations pour gagner du temps. On téléphone en faisant la cuisine et en contrôlant peut-être les devoirs du petit dernier. On discute avec un ami, eh bien en regardant la télévision ou un magazine à la main. Nous sommes absents de ce que nous faisons. On agit machinalement sans s'imprégner ni apprécier ce que l'on fait. Sait-on seulement ce que l'on vient de dire ou de faire? Où est le plaisir de la discussion avec un ami, avec son conjoint? Si l'on jette en même temps un œil sur le journal télévisé, réapprendre à accomplir un acte après l'autre permet de mieux s'y impliquer et d'en apprécier la portée. On renoue ainsi, n'est-ce pas, avec une certaine qualité de vie et on retrouve le plaisir de s'impliquer dans ce que l'on fait. Waouh, quel beau message aujourd'hui! Encore une fois, une belle pensée positive à méditer, n'est-ce pas? Vraiment, à méditer. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé la carte numéro 31. Si tu trouves que les journées sont longues et sans intérêt, c'est parce que tu as perdu le goût de créer. Dessine tes envies pour leur donner vie. Côté finance, le conseil, il faut souvent user d'audace pour arriver à ce que l'on souhaite. Soyez audacieux tout en laissant vos finances, eh bien, sous bonne garde, n'est-ce pas? Le conseil professionnel de ce jour, ce n'est pas parce que vous avez une sensation d'ennui au travail que cela veut dire, eh bien, que vous n'aimez pas ce que vous faites. C'est peut-être le moment de reprendre votre façon de faire les choses ou encore d'envisager, pourquoi pas, un réel changement qui peut vous amener à faire un déplacement. Alors, eh bien, osez bousculer vos habitudes, sortez de votre zone de confort. Le conseil pour le sentimental, il se peut que vous ressentiez, un ralentissement et un manque d'engouement dans les projets que vous souhaitez mettre en place dans votre couple. C'est peut-être une question de lassitude, n'est-ce pas? Il est aussi possible que vous soyez à ce jour célibataire et que ce chemin de solitude vous semble interminable. Eh bien, sachez que c'est le moment d'agir et de remettre en place ce petit parfum de magie, n'est-ce pas? Ces petits papillons que vous ressentez dans l'émotion. Soyez inventif. Et je termine, n'est-ce pas, avec le petit conseil spirituel. Le chemin de la spiritualité est un chemin qui n'appartient qu'à celui qui l'emprunte.
Si vous ressentez de la solitude sur ce chemin, apprivoisez la spiritualité pour en ressentir ses bienfaits. Vous vous sentez peut-être vraiment seul en ce moment. Eh bien, vous savez, quand on chemine dans cette belle spiritualité, on ne se sent jamais seul. Voilà les conseils de cette carte pour aujourd'hui. Je termine avec Ho'oponopono, le petit message. Je demeure connecté à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, eh bien nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous tenons le calme, la paix et la sérénité pénétrés en nous. Et oui, nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrés en nous. Waouh, c'est joli, c'est beau! Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, et moi, je vous embrasse, et je vous dis à demain.